Fantastic match from everybody. Kind of a do or die match, and to win 4-0 in Monaco is something special. Eindelijk, en ik denk dat we nog eerlijk moeten zijn en zeggen dat dit misschien nog ons minste match was van de vier. Maar nu winnen we, dus dan moeten we misschien concluderen dat het beter is dan goed spelen en verliezen. Aujourd'hui, on peut tous être fiers d'avoir fait une telle prestation. On a montré qu'on était une grande équipe aujourd'hui, je pense. Et c'est de bon augure pour la suite, donc on doit continuer. C'est un match référence. Ouais, c'est bien de gagner en Champions League après les bons matchs qu'on a fait, notamment les deux à domicile où on espérait vraiment prendre la victoire chez nous face à notre public. On n'a pas réussi, donc on était un peu frustrés. Donc ça fait du bien de gagner un match de Champions League. Et pour le classement, pour cette troisième place, c'est bien aussi. Voilà, le début de match a été très compliqué aussi pour nous. Ça aurait pu être 1-0 aussi pour eux. Et on a eu un grand gardien ce soir, Ethan, et toute l'équipe est contente de sa prestation. Et voilà, ça prouve que à Bruges, tout le monde peut jouer. Yeah, you know, it was just a combination at the top of the box and slipped the guy through. And it's, like I said over there, you know, it's just a one-on situation, trying to get my feet as set as possible and to make myself as big as possible. And it's reaction save. I'm happy to have gotten a strong left hand to it and get the rebound so the guy didn't get to it. Ouais, aujourd'hui, on a vu que nos supporters étaient du début jusqu'à la fin. Et voilà, avant l'entame du match, on a dit qu'on allait tout donner pour nos supporters, voilà, pour aussi le fait qu'ils se sont déplacés. Aujourd'hui, on est tous contents et voilà, je suis content qu'on ait pu leur donner cette victoire aujourd'hui. C'est la victoire de tout le club. Il y avait beaucoup de monde. Ils repartent avec des bons souvenirs, une belle victoire, donc c'est bien. Ouais. We wisten dat we moesten gelijk spelen met zeker een doelpunt te maken of winnen. Dus die opdracht is geslaagd en okay, de kans is nu vrij groot dat we doorgaan. Hè. Dan waarschijnlijk naar de Europa League, want ik denk Dortmund en Atletico zijn misschien wel zijn gewoon de twee beste ploegen in de groep. Dus, maar dat betekent niet dat we die twee matchen nu rustig aan moeten doen. Gewoon hetzelfde proberen te doen, iets beter zelf voetballen en iets meer gefocust zijn nog. En wie weet dat we dan ook nog iets kunnen doen.